Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Destiny 2. Nous avons une quête à faire ici, la guerre rouge. Puissance conseiller 60. Nous avons des problèmes de voisinage, nous avons des aventures, différentes aventures. Le chef d'opération. Ok, bon, on a du boulot quoi. Je pense qu'on va, avancer un petit peu dans l'histoire. Ensuite, nous allons bourrer, une fois qu'on aura fini l'histoire, on va bourrer tout le contenu PVE. C'est-à-dire toutes les caches secrètes, vous savez qu'on a pu voir, les secteurs perdus, avec leur boss, leur récompense. Ensuite, on va bourrer tous les jalons possibles et imaginables, tous les niveaux, entre guillemets, de réputation, hein, c'est comme ça qu'ils étaient appelés dans le précédent Destiny. Nous allons les bourrer pour obtenir un maximum de... Ok. Je vais entendre un cri. Ah oui, c'est pas ce qui me semblait. Ok. Ça me semble bon. Ah, c'est la chute qui m'a surpris. Crac, qu'est-ce que c'est que ce symbole? D'accord. Vendu. J'aimerais vérifier un truc, pardon, excusez-moi messieurs. Je suis censé aller là. Oui, planque-toi, ça vaut mieux. Je trouve que ça bougeait. Ouh, bonjour. Voilà, lui, je l'ai eu. On progresse. Pas trop de temps à perdre. On va, compte tenu du manque de propulsion que j'ai, je vais pas prendre trop de risques. Ce serait stupide. Et je ne suis pas quelqu'un de stupide. En tout cas, j'essaie de ne pas l'être. C'est sympathique. Après, ce sera quoi, tourner à droite? Ok, mon dieu. Bon, du coup. C'est bien, le petit machin vous indique où aller, quand aller et comment y aller. C'est assez rigolo. Salut Nexo, salut Styx. Je vais avoir la musique dans la tête par contre, hein. Vraiment, j'ai vraiment l'impression de jouer à un jeu, Bungie, hein, faut dire ce qu'il y a. Sur qui vous tirez? Wow, bonjour. Ouf. D'accord, c'est Rafale que j'ai raté. Wouhou, sympa. Merci. Trax, ah, ça je l'ai pas eu. Et puis c'est une arme verte en plus. Fusil d'éclaireur en plus, mais c'est génial. Et donc tu ressembles... Waouh, il est encore plus stylé que l'autre. Bon, c'est pas grave, on y va. On bourre. Le tout est vraiment d'avancer suffisamment vite. Personne. Bonjour. Oui c'est ça, commencer la mission, excusez-moi. Ah c'est marrant, elle est longue à commencer, c'est pas, vous savez, une... Étrange, je dis pas non, hein, mais je m'en rappelais pas. Ah, peut-être que je confonds avec Shadow Foire. C'est possible. Enfin bon. Du coup, 60 FPS, tout va bien. Alors vous avez tout en 30, moi j'ai tout en 60. Hein. Ce n'est pas extrêmement important. Tout en 60, sauf les cinématiques, malheureusement. Je comprends pas, on avait des jeux qui justement étaient blâmés parce que oh, leurs cinématiques sont en 30 FPS. C'est ouais. Nul, etc. etc. Ah, je suis avec des gens. Cool. Un réseau de processeurs ultra puissants. Ah. Genre des i7 et 170K. 7700K, pardon. Vous allez devoir fouiller dans le coin sans trop attirer l'attention. Gardien, nous devons récupérer cet élément pour faire basculer cette guerre notre ami. La Légion Rouge en notre faveur. Sans lui, impossible de savoir ce qui arrivera. Oui, Zabala. Je croyais que j'étais pas tout seul. Ah, je touche. C'est d'accord, j'étais coincé sur un objet. Non. J'étais coincé sur un objet. Ce n'est pas grave. Allons-y. Ah, il est solide, lui. Merci d'être venu.
Crac, est-ce que j'ai récupéré les munitions? Oui. On dirait que les déchus essayaient de passer à travers ces carreaux. Ces carreaux-là, t'es en train de dire? Pauvre carreau. What? C'est joli. Wow. Bon, du coup. Apparemment, le système d'exploitation de l'arcologie est de nouveau en ligne. J'en étais sûr. Gardez l'œil ouvert pour trouver un terminal d'accès. Vous pourrez l'utiliser pour localiser le réseau de processeurs. Du coup, ça sera ma terminale, ça. On est d'accord. Non. Ça, c'est une poubelle. Une jolie poubelle, mais une poubelle quand même. Terminal d'accès. Non. Non plus. Bon. Jeux vidéo... Enfin, vidéo ludiquement... Ouais, bah, bref, dans la science, j'ai des jeux vidéo... Pas mal, ça. Oh, un truc noir, non. Ah ah, non, non plus. Mais bon Dieu, file-moi. Oh. Ok. Pas ça. Ok, il y a des formes de vie, hein, ça s'entend. Ou en tout cas, c'est ce qu'ils veulent nous faire croire. Bon, PM dans un bâtiment, ça va être mieux que le fusil d'éclaireur. C'est joli. C'est joli. Quelque chose qui passe l'aspirateur, ok. Par ici. Voilà un des terminaux que vous recherchiez. Ça? Cool. Non? Si? Si, voilà, c'est ce qui me semblait. Pourquoi c'est des terminaux en russe et en chinois? Parce que c'est les plus grosses populations, d'accord. Amanda, oui, c'est bien ce que nous recherchons? Bingo! C'est bien là. Ah bon? Bien, je sais où nous devons. Bah, j'attends, je me pose. Plus qu'à descendre. Ok, cool. Ok. Il y a des choses dans le marais. Le marais bouge. Tiens, je l'avais dit. Dieu merci, il n'y a pas de kamikaze. Quoique. Ok, ils sont nombreux, hein. Et maintenant, vous êtes direct aussi, tant qu'à faire. C'est con quand même, hein. Et continuez de vous planquer, c'est bien. Où êtes-vous? Où êtes-vous? Là. Monsieur esclave, bonjour! Oh, Seigneur Dieu! Bref. On est bon. Bon, il en reste, hein. Faut pas se voiler la fesse, il en reste. Ok. C'est devenu. T'es où? T'es là. Voilà, je t'avais perdu, excuse-moi. Qui est là? Ici. Il a lâché du verre, ça c'est cool. Mais il en reste un. Main dans la main. Et la main dans la main. Ils s'en vont amoureux sans peur du lendemain. Non. Ouf.
fusil à pompe, main dans la main. 57, 73, ouah, un fusil à pompe. Je suis bête de pas le mettre par principe. Ouhou. Ah, c'est donc là que tu étais passé. Ah, tu n'étais donc pas tout seul. La bouffe. T'as fait mal? T'as douillé? Qu'est-ce que... Hop, merci d'être venu. Comme si la ruche nous avait déjà creusé un raccourci. Descendons par ce trou dans le sol. Ah, t'es sûr de ton coup, là? Pas de doute. Hall de la purulence. Oui, c'est certain. Dans ce cas, utilisons les communications radio que si c'est nécessaire. Nous ne voudrions pas attirer l'attention inutilement. Ouais, bah tu me connais mal alors, hein, l'ami. Hein. C'est devenu... What? Aïe. Essayons de... J'ai cru qu'il y en avait derrière moi à l'espace d'un instant. Wow. Ah non, pas tout à fait. Immunisé. Y a des balles qui me suivent, c'est cool pour toi. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Voilà, bouffe. Mais bon, ça aurait été tout aussi stylé. Finalement, ça aurait été tout aussi stylé. Hop, c'est ça que je voulais faire à la base, moi. Je suis mauvais. Là, je l'ai eu. C'est bon. Allez, sors. Ah. Je pensais pas qu'il sortirait de par là. What the... J'ai reconnu les hurlements, mais... Un poil trop tard. Ils sont planqués au fond. Vous savez quoi? Bourrage. Oh, bien joué. Hop là. Voilà. C'est comme ça qu'on règle un problème. À coup de shotgun. C'est un peu ça. Ok. On est entièrement rechargé. Cool, 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 cool. C'est parti. What? Immunisé aux flammes, ça va être un problème. What? Oh, d'accord. Bah, ça a le mérite d'être clair. Votre lumière vacille. Ok. Retour au dernier point de passage. Je veux bien, oui, effectivement. Mais, je peux pas remonter. Ok. Immunisé, mais bien, vas-y, continue. Allez, viens, je t'emmène au vent, je t'emmène au-dessus des champs.
Et je voudrais que tu te rappelles, notre amour est éternel et pas... Putain, c'est chaud. Artificiel, je voudrais que tu te rappelles... Le pire, c'est que j'ai, du coup, le mec était suffisamment efficace pour me poutrer. Sous prétexte que j'avais deux armes de feu. Faudrait que je trouve autre chose. Bon, c'est pas grave. Il y a assez haut. C'est pas grave. Mais bon. Ça se réglera. Ce qui me choque, ce qui m'a choqué, c'est surtout le côté arme de feu, je résiste. Et puissance cinétique. Non, c'est quoi? C'est quoi que j'ai? Attendez. Enfin, ouais, c'est l'abyssal, on va dire. Pareil. Bon. Dommage. Ok. La musique est pas flippante. Excusez-moi. Lumière. Réflexe à la mort, moi le nœud, hein. Si ça va être que ça. Ok. De mieux en mieux. C'est flippant. C'est extrêmement flippant. Mais je crois que c'est fait exprès, hein. Je suis pas tout à fait sûr, mais je crois que c'est fait exprès. Allez, dégage de mon chemin. Dégage. Dégage. Putain. Merci pour la lumière. J'adore le fait que mon personnage allume la lumière quand on lui dit d'être discret. Et ne l'allume pas quand il s'agit pas de l'être. Alors je tiens à préciser qu'on est complètement accroupi. Sac. Gros sac. Le coup du jeu tombe avant plutôt que de préparer le... Merde. Ben, ça m'étonnerait que la ruche n'ait pas entendu cette alarme. Oui, c'est ce que je fais, je cours. Nous
Nous avons le processeur, mais nous avons réveillé la colonie de la ruche tout entière. Et il y a un sacré bout de chemin jusqu'à la surface. Ah. Nous n'arriverons pas à atteindre la sortie, commandant. Gardien, pouvez-vous rejoindre le centre de l'archéologie? Nous devrions pouvoir envoyer quelqu'un pour vous récupérer. Prendre le siège conducteur. Ouais, je m'en charge. Pas d'armement. C'est juste un tank. Et tout ça, c'est quoi? Cette route mène au centre de l'archéologie. Trouvons un moyen de nous échapper une fois que nous y serons. Aïe. Je vais chercher ma ceinture et je décolle. Je serai là en un rien de temps. Amanda? Commandant? Bon vol. C'est Amanda! Oh oui, toi, t'as sauté juste devant moi. La chose à ne pas faire. Hop là. Attention à la marche. Comment ça, marque déposée? Attention à la marche. Rien à foutre. Je vous roule dessus tout autant que vous êtes. Rien à foutre. Tiens, le chevalier. Chevalier de la table ronde. Goûtons voir si le lait est bon. Oh non, c'est Pandawa, pardon. De la chope ronde. Merde. Ouais. J'ai dit qu'il fallait pas que je leur roule dessus, ceux-là. Et qu'est-ce que je fais? Bah, je leur roule dessus. Ce soir, on mange du croustillant. Oh merde. Merde. Voilà, ça doit être mon sort. Je m'en sors. Tout va bien. Imhotep. Imhotep. D'accord, lui il a explosé, on sait pas pourquoi. Dans le rétro, il se passe quoi? Tabac. Wouhou! Libéré! Délivre! Ah, coucou! Ramener ce processeur au centre de contrôle. Je sais pas pourquoi j'ai peur qu'elle se fasse péter. Non, ça va bien? Ils me suivent pas. Les choses semblent tourner en notre faveur. Non, bah tout va bien alors, écoutez. Hop là. Tout va bien. Bon, je m'attendais à un truc un peu plus. Tendu, finalement. Il n'y avait pas de tension, il n'y avait pas d'effet de vitesse, il n'y avait pas de tension. Peut-être un manque de dynamisme sur cette séquence. C'est dommage, parce que le reste du jeu est assez dynamique. C'est con, ça. Enfin, ça arrive. Coucou. Joli, ça, par contre. Ça fait quoi? Ça déconstruit un truc pour le reconstruire derrière, non? On aurait dit un petit peu ça. Ou ça pioche dedans pour récupérer l'énergie. Ah non. Il l'appelle le Tout-Puissant. D'accord. C'est le joyau de la Légion Rouge, l'œuvre ultime de leur chef, Dominus Ghaul. Ghaul a asservi des centaines de mondes. Okay. Ceux qui lui ont résisté n'existent plus. Car le Tout-Puissant peut anéantir des étoiles. Ok. Ok, le mec est vénère. Ça, on a compris. Boum! Ça pardonne pas. Cela dit, au moins c'est rapide, si je puis dire. Rien ni personne ne peut survivre à l'ambition de Ghaul. D'accord. Ce qu'il veut, c'est la lumière. C'est le voyageur. C'est la lumière, il s'en fout du voyageur. Sa lumière. Voilà, c'est ça. Tout à fait, c'est ce que je dis. Quant au Tout-Puissant, il est pointé vers notre soleil. C'est con. La guerre est terminée. Il l'a déjà gagné. Et nous avons perdu. Ouh! Et nous avons perdu. Alors vous voyez, c'est là le manque d'optimisme. Dire « et il a déjà gagné », ça ne nous inclut pas. Et on a déjà perdu, c'est du pessimiste. Ça indique que c'est fini. C'est le genre de personne qu'il ne faut pas avoir autour de soi quand on est en guerre, quoi. Tout simplement. Bon alors, Zavabala. On a construit notre cité sous la protection du voyageur. Et quand nos ennemis nous ont attaqués, nous avons construit un mur qui a tenu plusieurs siècles. Tout à fait. Mais les murs ne servent plus à rien. Bah oui, il aurait fallu construire un toit, littéralement. Nous a arraché à notre foyer
Il nous a pris notre lumière. Ça te fait mal, hein. Maintenant, c'est notre vie à tous qu'il menace. Oh. Il va falloir tout donner contre ce soi-disant tout-puissant. Dans combien de temps est-ce que la flotte sera prête? La flotte? Zavala, attendez. Si nous attendons, nous y passons tous. Mais si nous attaquons, ensemble, nous pourrons tenter de récupérer notre lumière, notre cité et notre espoir. Ou mourir avec honneur. Ouais. Si tu veux. Il me faut mon escouade. J'ai besoin de Cade et d'Ikora. C'est stylé. C'est tellement stylé. Allez. Ah, je croyais qu'il pompait un truc là. Non, y a plus le truc qui marche ou c'était quoi? Nouveau monde, émission disponible. Nessos est un rocher de glace inexploré, non cartographié, situé aux confins du système solaire. Et il ne devrait normalement rien s'y trouver. C'est la carte. Donc je vais à un endroit où il est censé y avoir rien. Wouhou! Attendez! Événement public! Cette fois-ci, on ne le loupe pas. Bonjour! Ouais, putain, je suis tout seul encore dessus. Dispersez-vous, bande de déchus! Ils me visent. Vous allez les détruire. Ok. Tout va bien. Hop là. Hop, c'est bon. Bonjour. Ah, c'est toi, c'est un copain. Autant pour moi. C'était le dernier canon brûleur. Cette bande de pilleurs ne mettra pas la main dessus. Ok. On a gagné alors ou... Apparemment non. Putain, qu'est-ce qui se passe? Lâchez-moi. Aïe. Aïe, aïe. Bon, tant pis. Ils m'ont rushé dessus quand même, hein. Tu veux bien me filer un coup de main? Merci. Dégage. D'accord, il a un point sensible. Oups. Ah, 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 ah. Ouais, nous les avons privés de leur arsenal et nous avons détruit leur ténébrium. Nous avons ressenti les effets jusqu'ici, mais nous sommes toujours debout, ce qui n'est pas le cas des déchus. Félicitations. Bon bah cool, on a réussi. Hop là. Autour du drapeau, jeton de l'arcologie, champ de coupe-feu. Cool. On a obtenu un emblème. Cool. Bah c'était stylé. C'était déjà fucking stylé. Je récupère les munitions. Et du coup... Ah, 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 ah. Hé, tu te calmes, Johanna. Hop, on est bas. Du coup, allons voir ce qu'on a récupéré en termes d'équipement, parce que depuis le temps, là on est à 67. Donc ça, au revoir. Là on est à 71, je prends. Du coup, celui-là, au revoir. Ça, je devrais être bon. Là, on est à 71. Ah ah. C'est pas sur moi qu'on tire.
Apparemment non. 74, ça je peux virer. 53, je peux virer. Ça je peux virer. Ça aussi. Et ça c'est quoi? Un revolver Peccadi. Ouais mais j'aime bien les revolvers en arme énergétique. Hop. On est bon. On a quelques lumens. Inventaire. D'accord. J'ai obtenu un emblème mais... je sais pas trop à quoi ça sert. Moi qui c'est par là. Fierté des titans. D'accord, emblème. Emblème. Permet de suivre le long événement public terminé. D'accord. Ok. Pourquoi pas. Les auras par contre ça peut être cool. Ok, bon bah why not. Why the fuck not. Eh bien écoutez les amis, nous on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens et yop. Et le clan, j'ai oublié de montrer le clan. Voilà. Au cas où vous voudriez venir tout simplement nous rejoindre. Salut.